السيد سلامي عزيزتي التلميذه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسله الدروس التي يقدمها لكم. مشير ستيديون سوي توجور لا بيانفوني دون ما شين جيسبر توجور كو فوز الي تري تري بيان. توجور جو سوي ريفوني سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون، سي سي لوسون دو ماتيماتيك destiné aux écoliers et aux écolières de la troisième année collégiale. L'objectif de la leçon, ce sont des exercices d'application, d'approfondissement pour consolider l'isaclée des équations et des inéquations. Alors, toujours, on suit le manuel de l'élève exercice par exercice. Alors, soyez attentifs et suivez bien. Alors, mathématiques, troisième année collégiale, exercice d'approfondissement, page 69. Hein, page 69. On est arrivé à l'exercice 27. Alors, factorisation et équation. Factorisation, on va terminer. Résoudre les équations suivantes. Nous avons 4 x au carré moins 3 x égale. C'est une équation du premier degré reconnue. Alors nous avons l'équation est égale à 0. Alors on va essayer de factoriser 4 x au carré plus moins 3 x, donc est égal à x facteur de 4 x moins 3. Alors le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Alors 4 x moins 3 égale à 0, ça veut dire, implique que 4x est égal à 3. 4x est égal à 3, donc x est égal à 3 sur 4. Voilà la valeur de x, voilà la valeur qui vérifie l'égalité, et voilà la valeur de l'équation. En remplaçant x par 3 sur 4, l'équation est égale à 0. B, racine de 2, x2, égale racine de 3x implique. Alors c'est une égalité, c'est une équation. Alors on va factoriser, on va mettre x en facteur commun, donc x facteur de racine de 2x moins racine de 3. Donc le produit est égal à 0, c'est l'un des produits et des facteurs est égal à 0. Donc la racine de 2x moins racine de 3 égale à 0, ça implique que racine de 2x égale racine de 3. Donc c'est une égalité, implique que x égale racine de 3 sur racine de 2. Donc voilà la valeur. Donc l'équation, elle a une seule solution, x égale racine de 3 sur racine de 2. Voilà la valeur qui vérifie l'équation, voilà la solution de l'équation. C égale 2x moins 1, facteur 3 plus x plus 2x entre parenthèses moins 1, facteur de 4 plus 2x égale à 0. Alors ici, on remarque que 2x moins 1, c'est un facteur commun. C'est un facteur commun. Donc, le facteur commun est 2x moins 1. Donc, 2x moins 1, facteur de 3 plus x plus 4 plus 2x entre parenthèses égale à 0. 2x moins 1, facteur 3 plus x plus 4 plus 2x égale à 0. Donc 2x moins 1, facteur de 3x, 3 plus 4 égale à 7, x plus 2x égale à 3x. Donc le produit est égal à 0 si l'un des facteurs est égal à 0. C'est une règle à comprendre. Donc nous avons 2x moins 1 égale à 0 ou 3x plus 7 égale à 0. Alors pour 2x moins 1 égale à 0, nous avons 2x égale à 1, implique que x égale à 1 plus. Pour 3x plus 7 égale à 0, donc 3x égale moins 7, implique que x égale moins 7 sur 3. Donc l'équation a deux solutions. Ou bien x égale à 1,5 ou bien x égale moins 7 sur 3. Donc voilà les valeurs qui vérifient l'équation et voilà la solution de l'équation. D égale 3x plus 2 facteur de moins x plus 4 égale 2x plus 7 facteur de 3x plus 2. Alors, je vais rendre tous les nombres de ce côté. 3x plus 2 facteur de moins x
2x plus 4 moins 2x plus 5 facteur de 3x plus 2 égale à 0. Donc nous avons ici un facteur commun, c'est 3x plus 2. Donc je vais factoriser, je vais mettre 3x plus 2 comme facteur, donc 3x plus 2 facteur de moins x plus 4 moins, moins 2x plus 5. Alors intégrer. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.